Chers téléspectateurs de 613 TV Shalom, je suis heureux de vous retrouver, et toujours depuis Jérusalem. Nous allons parler, bien sûr, de tout ce qui a trait à Pessah, cette phrase certainement célèbre, « Kol dirfi nyate veyuchal »« Que celui qui a faim vienne et mange à notre table » fait partie des propos, traditionnels de la table du Seder. Dès son adolescence, le Yosef biblique fut soucieux du problème des soubassements économiques de la société humaine. C'est pourquoi il rêve d'épis. Joseph eut un songe, est-il écrit, et le conta à ses frères. Nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Je vous rappelle dans Bereshit, au chapitre 27, verset numéro 7. Yosef témoigne ainsi de sa domination certaine du sujet, et ce n'est aucunement une coïncidence si, une fois en Égypte, il va devenir le grand intendant du ministre des abattoirs. En fait, le distributeur de nourriture pour l'Égypte tout entière. Même en prison, derrière les coulisses de l'histoire, Yosef poursuit et se consacre à l'organisation du travail et des assises économiques de la communauté humaine. Il traduit les rêves du grand panetier, du grand échanson, et lorsque plus tard il se retrouve face au pharaon, eh bien aussitôt il lui expose un plan de réaménagement de l'Égypte, mais non pas par une quelconque doctrine des fondements économiques en temps de crise, mais par Dieu lui-même. Le projet économique de Yosef s'achèvera par une politique de planification agraire du royaume d'Égypte, laquelle, en fin de compte, a façonné l'économie du monde antique, dont l'Égypte était, on se rappelle, la charnière. La Torah énonce avec une grande profusion de détails les choix économiques de Yosef durant ces années de calamité. La concentration des biens monétaires, l'acquisition du cheptel, l'achat des terres, le transfert des populations vers les villes, le système d'imposition, etc., etc. Or, ce programme a épargné du désordre et de la confusion, non seulement l'Égypte, mais toute la communauté humaine d'antan. L'opération Yosef, si vous voulez qu'on l'appelle ainsi, parvient à créer des conditions plus justes et plus morales, puisque les issues aux diverses difficultés de la société proviennent de l'éternel Dieu créateur. Grâce à elle, l'intelligence divine a pu s'introduire dans le monde de la matérialité. Le vocable moderne nous révèle que le sens socio-économique de la démarche de Yosef doit se comprendre comme une économie centraliste. En effet, il centralise, c'est bien le terme, et concentre les moyens de production en les nationalisant pour les redistribuer ensuite de manière appropriée et égalitaire. Il ne procède ni au marché centralisé à l'extrême, ni à une économie libérale, mais tend vers une ingérence qui ambitionne une plus grande probité distributive. Tout au début, notre Yosef rassemble le fonds monétaire égyptien, puis le bétail, et enfin, il nationalise les terres, faisant disparaître ainsi la propriété privée. Après la nationalisation des biens de production, il fait déménager le peuple vers les villes, et cet abondant va contraindre le fait que le milieu rural va être brisé vis-à-vis de l'anticatage de la population à la terre et va consacrer une nouvelle structure socio-économique. Il procède alors à un nouvel ordre des moyens de production dont les usagers, auront la totale responsabilité. Cette régionalisation subséquente permet ainsi la pérennité physique de la société égyptienne. Mais je l'ai dit aussi, pas seulement égyptienne. La prospérité de l'État sera ultérieurement réalisable grâce à une formule d'imposition moderne. 20% des revenus sont aussitôt transférés au royaume
les agriculteurs conservant 80%, bien qu'ils œuvrent sur des terres propriétés de l'État. Le peuple égyptien proclame alors sa pleine gratitude envers Yosef. « Tu nous rends la vie, disent-ils. Puissions-nous trouver grâce auprès de mon Seigneur et nous resterons serfs de Pharaon. » C'est au chapitre 47, verset 25 du même livre de Béréchit. Le peuple, lui, est disposé à abandonner sa liberté et à vivre dans des conditions de dépendance totale envers son souverain, mais Yosef, lui, va repousser cette offre. Certes, il acquiert tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon, mais acquérir des êtres humains pour les rendre esclaves est en profonde opposition avec les vertus de justice et de moralité qu'il désire établir parmi les hommes. Celui qui engage des ouvriers et leur dit de commencer tôt et de finir tard ne saurait les y obliger. Si commencer tôt et finir tard n'est pas conforme à la coutume de l'endroit, là où les coutumes ou la coutume veut qu'on les nourrisse, il est obligé de les nourrir. Là où elle veut qu'on leur serve du dessert, il doit leur servir du dessert. Tout se conforme à la coutume de l'endroit. Un jour, Rabbi Yochanan ben Matia dit à son fils, « Va, engage des ouvriers. » Celui-ci a inclus la nourriture parmi les conditions. Quand il revint, le père dit, « Mon fils, même si tu leur préparais un repas égal à celui que servait le roi Salomon, tu ne serais pas quitte envers eux, car ce sont les descendants d'Abraham, d'Itsraël et de Yaakov. Tant qu'ils n'ont pas commencé le travail, va et précise. » Vous ne pourrez prétendre qu'au pain et aux légumes secs. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'avait pas à le dire car en toute chose, on se règle d'après la coutume de l'endroit. Tout ce propos tiré du traité de Baba Metzia. Admirable attention portée au dessert. La nourriture y est une subsistance ici. Nulle parole, même provocante, ne peut abîmer ces propos qui protègent incontestablement l'être humain, humanisme véritable, humanisme matérialiste. Les cœurs s'épanchent aisément pour la classe ouvrière, les porte-monnaies plus douloureusement, je vous l'accorde, ceux qui s'en trouvent le plus péniblement, ce sont les portes de nos propres foyers. La Mishnah témoigne du droit de la personne, comme l'assurait le marxisme humaniste. Celui qui proclamait que l'homme est le bien suprême pour l'homme lorsqu'il est réellement homme et que celui-ci cherche à savoir pourquoi l'homme, ami de l'homme, a pu, dans certaines situations, devenir l'ennemi de l'autre. La seule combinaison d'une économie de marché abandonnée à son exclusive dynamique expliquerait-elle une telle malversation, véritable aberration, où l'homme deviendrait son propre ennemi? Eh bien, notre texte exige une limitation aux caprices de l'économie ainsi qu'à son aliénation. Il nous faut préciser, d'autre part, que la profession de foi, où se place la Mishnah, est symptomatique de l'humanisme juif. Défendre les droits de l'homme, c'est d'abord ceux de l'autre homme. Ce n'est pas originellement moi, ce n'est pas la notion d'homme qui est le fondement de cet humanisme, c'est l'autre. Voici donc un certain nombre d'informations sur les vastes territoires du droit d'autrui. C'est une justice quasiment illimitée où je ne parviendrai pas à réaliser mes devoirs même si je possédais les richesses du roi Salomon. La Mishnah stipule une clause restrictive. Il est question d'autrui qui descend d'Abraham, d'Itsraël et de Yaakov. Tranquillisez-vous, nulle pensée chauvine ici. Dès que le nom d'Israël est rappelé dans le texte talmudique, on doit incontestablement appréhender par là le peuple d'Israël qui en fait réalise une destinée unique, mais aussi limitée. La vérité de la conception exprimée dans le texte talmudique. Emmanuel Levinas dit « On aura oublié qu'Israël signifie peuple ayant reçu la loi et par conséquent une humanité arrivée à la plénitude de ses responsabilités et de sa conscience de soi ».
les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, c'est l'humanité qui n'est plus infantile. Évoquons la tradition hébraïque, biblique et talmudique concernant Abraham, père des croyants, et surtout le patriarche qui sut accueillir et nourrir des hommes, celui dont la tente demeura ouverte aux quatre vents. Depuis ses entrées, il surveillait les passants, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, afin de les recevoir et de leur offrir un repas. Nous connaissons l'un des menus proposés par l'hôte aux trois anges sans qu'ils ne soupçonnent à aucun moment leur véritable identité, car bien sûr, pour recevoir dignement des anges, Harpagon lui-même aurait mis les bouchées doubles. Abraham considère les trois passants comme des bédouins, trois nomades du désert du Négev. Il se précipite à leur rencontre en courant et les hèle par « Mes seigneurs !» Les légitimes descendants d'Abraham sont ces hommes, à qui le patriarche attribua une rude tradition de valeur à l'égard d'autrui que l'on ne cesse de pratiquer. Un enseignement dont on ne se sépare jamais, mais où la responsabilité devient l'obligation à l'attention du corps, l'impératif de nourrir et de recevoir. Ainsi inspiré, la filiation d'Abraham pourrait être de toute nation, car tout homme, réellement homme, serait éventuellement de la descendance d'Abraham, raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Matia est anxieux vis-à-vis de ce contrat établi par son fils, vous vous souvenez, et qui paraît le satisfaire pleinement. Il me sera impossible, dit-il, de faire face aux impératifs que tu as pris, même en fournissant aux ouvriers engagés les repas du roi Salomon. Je ne pourrai aucunement m'acquitter envers eux et rester redevable à jamais. La Bible, le Tanakh, relate à quel point les banquets donnés par le roi Salomon au peuple étaient inouïs et dénombre la quantité de bétail abattu à cet effet, l'étendue des devoirs à l'égard des hommes totalement hommes n'a pas de limite, comme le signifiait le propos du rabbin lituanien Israël Salenter. Écoutez, les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi. Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi. La lignée d'Abraham possède une qualité de l'être qu'il est difficile de retrouver dans les promesses de l'État et les progrès politiques de l'humanité. Certes, on se doit d'octroyer, mais de quelle manière? Il apparaît donc évident, au travers cette analyse textuelle, que tout s'engage par le droit de l'autre et par mon devoir illimité à son égard. L'humain est au-dessus des forces humaines. Les enfants d'Israël sont programmés à cette exigence et sont suffisamment matures pour réaliser l'alliance. En conséquence, le père dit au fils, détermine immédiatement l'idéal que tu as débridé. Stoppe tout et définis les clauses. Hâte-toi de sceller les conditions du contrat avec les travailleurs. Ne besogne, car une fois la tâche entamée, je deviendrai redevable jusqu'à la fin de mes jours. Le repas paraît menu, bien qu'il soit varié. La Gemara questionnera plus loin, pain et légumes secs ou pain de légumes secs? En hébreu, il suffit d'effacer une lettre, le vav, pour annuler la conjonction et découvrir une nouvelle formule indiquant pain de légumes secs. Cette conjonction est essentielle. Elle est aussi indispensable ici que la boussole est vitale pour diriger ses pas sur des chemins inconnus. Son absence nous mènerait droit au désastre. Nous devons naturellement, même lorsqu'un accord délimite l'incommensurable de nos devoirs, que la frontière elle-même soit localisée. Je veux dire que nourrir autrui, c'est garantir à la nourriture la propriété de repas. Ce n'est jamais la transformer en minimum vital. En alimentant autrui, nous devons louer et rassasier, de quelque manière qu'il soit, son envie, sinon c'est l'échec. Un être humain meurt de faim toutes les 4 secondes, ce qui fait 25 000 par jour. Plus d'un milliard d'êtres humains vivent dans la famine, tandis que le monde occidental jette à la poubelle 50% de la nourriture qu'il achète au supermarché. Par exemple, au Royaume-Uni, un tiers de la nourriture achetée n'est pas consommée.
Rien qu'aux États-Unis, les pertes dans le système de distribution, sont estimées à environ 100 milliards de dollars par an. Eh bien, sachant ô combien aujourd'hui, au vu et au su des programmes alimentaires mondiaux qui viennent au secours des populations souffrant de la faim, eh bien, s'élève à 3,5 milliards de dollars. Je crois bien ici, bien évidemment, que ce propos est mis dans la Haggadah « Kol dirfi niyateh veyuchal » est non seulement prémonitoire, mais il est plein de cette attention, comme je le dis, je le répète à chaque fois, de cette identité morale, de la manière d'être l'homme hébreu, qui sert non seulement Israël à se réhabiliter, mais aussi à faire que les nations, au regard d'Israël, et peut-être est-ce la raison pour laquelle il s'intéresse tellement à Israël, eh bien puisse elle-même en tirer les leçons afin de réhabiliter chacun des habitants de cette planète Terre que Dieu a voulu réaliser, faire au mieux, mais que les hommes tentent de faire la même chose. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah. Je vous souhaite ces jours du Homer remplis de joie dans cette nouvelle situation d'Israël. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne dans chacun de vos pas. À très bientôt. Shalom, shalom, depuis Jérusalem.